papa? Fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es réveillé? Papa, c'est qui, Corona? Oh, fiston, je te l'ai déjà expliqué. C'est un monstre qui veut tous nous manger. On va tous mourir? Non, pas nous, parce qu'on est suffisamment protégés, fils. Comment, papa? Explique. Je t'explique demain. Allez, bébé. Papa, explique s'il te plaît, j'ai peur. Une heure du mat, ça c'est la bonne. Je t'explique alors. Alors, la petite étoile, c'est toi et moi. Lui, c'est le monsieur Corona et ses frères. Le cercle qui se dessine, c'est notre maison à nous, tu vois? Waouh! Oui, pas. Monsieur Corona et ses frères ne peuvent pénétrer le cercle. On ne risque donc rien. Alors pourquoi se laver les mains avec un désinfectant? Le désinfectant, ça c'est pour faire fuir définitivement monsieur Corona. Et adieu Corona, mais on doit rester à l'intérieur, hein. Maintenant, il va falloir se coucher pour être en forme demain. D'accord, papa. Et maman? Elle va bien, t'en fais pas pour elle. Laisse-moi dormir. Non. Junior, éteins cette lampe. Non. Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Oh, espèce de Corona. Allô? Allô? Allô, chérie, tout va bien? Rien ne va, faut que tu reviennes. J'arrive plus à dormir depuis une semaine. Qu'y a-t-il? Junior a fini par me rendre fou. Chérie, tu sais très bien que je suis bloquée de l'autre côté, je ne peux pas prendre mon vol. Fais un effort, je vous adore. Junior, arrête de jouer avec cette lampe et couche-toi, tu vas réveiller ton frère. Marie-Joseph. Chérie. C'est mort. Chérie. Chérie. Allô? Ça va aller, je gère. Papa arrive. Joyeux confinement.